We believe that the Israelis till now, they are not responding in the right and the positive way to what was achieved. La libération d'un deuxième groupe d'otages a bien failli ne pas avoir lieu. Au moment où les familles espéraient revoir leurs proches, le Hamas a suspendu l'opération. La branche armée du mouvement islamiste accusait Israël de ne pas respecter les termes de l'accord. Out of 200 trucks, we did not reach till now 70 trucks. Also, according to the release of the prisoners, we believe that the Israelis are manipulating the issue. We will stand against that. Le Qatar, l'Égypte et les États-Unis se sont mis de la partie pour dénouer l'impasse. Après un délai, les obstacles pour relâcher les prisonniers ont été surmontés, a déclaré sur X le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères. Un soubresaut qui prouve que l'accord conclu est fragile et la confiance nulle. Chaque retard, chaque coche qui pourrait laisser place à l'interprétation est immédiatement enregistré comme un geste de mauvaise foi de l'autre camp, et donc il faut absolument retirer son appui à l'accord. Entre-temps, les otages libérés vendredi retrouvent peu à peu leur famille, ce qui donne lieu à des scènes émouvantes comme celle-ci. Des dizaines de milliers de personnes ont d'ailleurs pris la rue à Tel Aviv pour souligner 50 jours d'enfer et réclamer le retour de tous les otages. À Jérusalem, les manifestants réclament carrément la démission du premier ministre Netanyahou. He is the one responsible for the October 7th disaster, the biggest one we had in the history of Israel. We need him to go now. Ailleurs dans le monde, des sympathisants continuent d'appeler à un véritable cessez-le-feu dans ce conflit qui est loin d'être terminé. Audrey Folio, TVA Nouvelles.